Voilà, bienvenue sur le Métatour. Donc, étape en Vendée, on n'est pas très loin de La Roche-sur-Yon. On est avec Richard Lueil. Bonjour Richard. Bonjour Patrick. Alors Richard, toi tu es un historien amateur qui a beaucoup travaillé sur la région et sur l'histoire de la région. Et on peut dire ça comme ça, on va dire que tu as quand même... Oui, ça a commencé en gros... Vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à lire quelques livres sur les guerres de Vendée. J'ai lu évidemment le génocide franco-français de Reynald Secher. J'ai lu ensuite quelques mémorialistes comme la marquise de la Roche-Jacquelin, etc. Comme beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément vendéennes ont pu lire. Et puis cette histoire-là m'a fortement touché au cœur, et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par moi-même. Donc j'ai aucune formation d'historien du tout à l'origine. Je me suis rendu compte qu'en fait les documents originaux sont relativement accessibles, qu'il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour les étudier. Il y a une petite habitude de l'écriture, de l'ancien français, etc., mais qu'on acquiert assez rapidement. Et puis j'ai découvert l'horreur, j'ai découvert les femmes massacrées, les enfants découpés en morceaux. J'ai découvert que ce peuple d'où je tire mes origines avait été considéré comme une race abominable. Dixit, Barère, etc., et tous les révolutionnaires de l'époque, que ces gens qui avaient osé s'opposer au système révolutionnaire, et avec tous ces excès, et puis ces guerres déclarées contre les autres nations, etc., ce peuple avait été complètement déconsidéré, que... Mes ancêtres étaient passés pour des traîtres à la nation. On ne sait pas trop bien de quelle nation d'ailleurs, qu'est-ce que les révolutionnaires voulaient voir par là. Alors déjà, il faut resituer, déjà chronologiquement, ce massacre il se situe donc à partir de 1793, c'est ça? Le massacre il commence à partir du décret de la Convention d'août 1793, où la Vendée s'est insurgée contre le système et contre ses excès, et on décide de tout incendier et puis de purifier entre guillemets le pays. Il n'est pas tolérable que cette région qu'on appelle la Vendée, alors en référence au département où la première grande bataille a eu lieu, mais qui concerne bien entendu non pas le seul département de Vendée, mais aussi les départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et du Nord des Deux-Sèvres, on décide de, alors officiellement, de déporter les femmes, les enfants et les vieillards et de massacrer tout le reste. En fait, ce qui se passera, c'est tout autre chose. Ce qui se passera dans les faits, c'est qu'on massacre tout le monde. La guerre de Vendée officiellement se termine le 23 décembre à Savenay lors de la dernière défaite de la bataille officielle après la virée de Galerne, quand les Vendéens essayent de refranchir la Loire. Et on décide à partir de janvier 1794 qu'on va massacrer tout le monde. Donc là il n'est plus question du tout de déportation de vieillards ou quoi que ce soit. Il est décrété que la race... L'ethnie, si on peut dire, le mot n'existe pas encore à l'époque, de tous ceux qui ont participé à ce soulèvement, doivent être massacrés, leurs maisons brûlées, leurs biens saisis au profit de la République, bien entendu, puisque la République, bien entendu, ce qui l'intéresse aussi, c'est non seulement le pouvoir, mais aussi de posséder, bien entendu, les biens des vaincus. Et puis on va massacrer, on va commettre des horreurs innommables. Et par la suite, on passera tout cela, bien entendu ces horreurs, on les passera sur le compte des Vendéens, bien entendu c'était les Vendéens qui étaient d'horribles massacreurs, et bien entendu pas les soldats de la République qui se sont livrés à ces atrocités. Alors pour revenir, justement, voilà, en 1793, chronologiquement, ça commence, qu'est-ce qui déclenche, on va dire, dans cette région, et puis comme tu l'as dit, dans d'autres départements limitrophes, qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Parce qu'au départ, donc, la Révolution, on sait qu'elle a commencé déjà 5 ans auparavant. Donc les Vendéens, comme tous les autres Français, on va dire, sont soumis à ces nouvelles lois républicaines. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, justement, ces Vendéens disent « stop, ça suffit ». Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà,
La première des choses, on déporte les prêtres catholiques. Les Vendéens sont très attachés à leur religion. Ils sont attachés à leur religion et ils sont attachés à leur prêtre parce que le prêtre, il est non seulement le guide spirituel, il est aussi l'assistante sociale du village. Il est celui qui aide en tout point les familles, quelles que soient leurs conditions de vie, etc. On coupe la tête du roi, bien entendu, mais bon, les nouvelles n'arrivent pas très si rapidement que ça en Vendée. Et puis bon, ouais, on a coupé la tête du roi, ça choque. Ça fait, on va dire, une marche de plus à franchir. Il y a la fiscalité qui augmente considérablement, du coup des guerres, du coup du changement de régime. Et puis, ce qui met au feu aux poudres, c'est la levée des 300 000 hommes. C'est-à-dire que la République, qui raconte dans ses manuels scolaires que, en gros, l'Europe aurait déclaré la guerre à la France. Ça, c'est ce qu'on apprend, le manifeste de Ah, Brunswick, mais bien c'est sûr, ah mais bah. sauf que c'est la République qui déclare la guerre, qui déclare la guerre au reste de l'Europe. La République déclare la guerre au reste de l'Europe et décide de lever 300 000 hommes pour aller se battre aux frontières. Alors, dans beaucoup de régions françaises, ça se passe très mal. Il y a des soulèvements en Bretagne, notamment dans le Finistère. Il y a des soulèvements un petit peu partout. Il y en a dans la vallée du Rhône. Il y en a un petit peu partout contre cette levée des 300 000 hommes. Eh bien, pour une raison simple, c'est qu'on va enlever des paysans de chez eux. On va les faire partir aux frontières. Pendant ce temps-là, les nantis du système, les fonctionnaires, eux, en sont dispensés. C'est-à-dire tous ceux qui ont les postes révolutionnaires. Eux, bien entendu, ne partent pas. D'accord, ils ne sont pas concernés, oui, Ah, mais d'accord. non, non, mais ils ne partent pas. Ben, ça serait. Ben, pourquoi voudrais-tu, Patrick, qu'ils s'en aillent? Hein, ils ont tous les privilèges. Ils ont les nouveaux privilèges. Ce sont les nouveaux rois du système. Donc, on fait partir. Qu'est-ce qu'on fait partir? On fait partir les pauvres aux Et frontières. particulièrement les paysans, j'imagine, Oui, et dans ce puis, point. alors, alors, en Vendée, on a supprimé les prêtres. On a augmenté les impôts. Et maintenant, on veut les faire partir à la guerre. Donc, dans un petit peu toutes les communes, il y a des opérations de recrutement qui se passent, et puis ça se passe très mal. Les gendarmes se font caillasser, on dit les Vendéens, enfin les paysans vendéens, ce qui ne s'appelle pas encore la Vendée, ça sera, on peut encore appeler paysans poitevins, vont dire, mais écoutez, aux habits bleus de partir, aux fonctionnaires de partir. Et ça se passe très mal, les gendarmes tirent. Et les paysans prennent ce qu'ils ont sous la main, des fourches, des faux, etc., et ils attaquent les gendarmes. Et bien souvent, au cri, un cri symbolique de pas de roi, pas de loi. Ah, tiens, c'est Voilà. intéressant comme phrase, ça. Et sous-entendu, bon, le roi, c'était peut-être pas formidable, mais à choisir entre votre système et puis ce qu'on avait avant, bien encore, vaut mieux encore le vieux système. Les paysans en Vendée, ils n'étaient pas plus royalistes qu'ailleurs. Les réformes de 1789, c'était plutôt bien vu. Sauf qu'ils ont vite compris qu'ils se faisaient berner. On a vendu les biens de l'Église, on a vendu les biens des nobles, etc. Mais pas au profit des pauvres, au profit des nantis bourgeois Ceux qui rachetaient donc qui étaient dans le système. D'accord. Parce que c'est ça souvent voilà, ça c'est un passage qu'on ignore un peu sur cet aspect révolutionnaire, c'est-à-dire que les biens fonciers de l'Église ont été mis en vente, mais ce sont les nobles qui ont pu les racheter, parce que il fallait avoir de l'argent pour le racheter. Dans les révolutionnaires, on trouve énormément de nobles. On trouve de Robespierre, des de Barère, des de Cambacérès, n'est-ce pas? Hein, il ne me semble pas que ce soit que ces gens-là étaient des gens particulièrement miséreux. Des avocats, n'est-ce pas? C'est des notables de toutes sortes, ce n'est pas des gens qui sont dans la misère. Et puis les acheteurs de biens nationaux dans les campagnes, qui rachètent les biens nationaux? Qui rachète le château du noble émigré, qui rachète l'église, qui rachète le presbytère? C'est pas le petit paysan. Qui c'est qui rachète tout ça? Ce sont des gens qui sont largement nantis et qui sont déjà dans le système, qui sont dans le nouveau système républicain. Et puis en gros, il y a aussi un autre cas de figure. Il y a aussi une autre explication. On a des bourgeois des villes qui s'opposent aux paysans des campagnes, qui les traitent de péquenauds, etc.
Et voilà, donc la ville, c'est très bien, c'est des gens très évolués, et puis les paysans des campagnes, ceux des ignorants, ceux... voilà, bon, les choses sont toujours un petit peu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, un paysan du Cantal, par rapport à un bobo parisien, on sait très bien lequel on va écouter, hein. Bon, voilà, lequel qui aura le plus de crédibilité. Mais à cette époque-là, c'est très, très exacerbé. C'est très exacerbé, et puis... dans les deux camps, et puis bizarrement, les villes sont à majorité républicaines et ont des postes, les gens des villes ont des postes dans le système, et puis les paysans, mais finalement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, la révolution ne leur apporte absolument rien, sauf des emmerdes, mais je passerai l'expression, hein, sauf des emmerdes, les emmerdes d'aller se battre aux frontières pour des gens qu'ils n'aiment pas, qui eux, bien entendu, ne sont pas concernés. Donc le soulèvement, il s'explique, et les soulèvements, il y en a eu un petit peu partout en France. Il y en a eu, il n'y en a pas eu qu'en Vendée, il y en a eu en Normandie, il y en a eu dans ce qui est actuellement le Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu dans le Jura, il y en a eu au Pays Basque, il y en a eu dans le Midi de la France, il y en a eu dans la vallée du Rhône, il y en a eu dans le Sancerrois. Et bien entendu, ils sont tous faits écraser. Bah, parce que mal organisés, parce que aussi, peut-être que les gens ont eu plus peur. Là, ce qui a fait que les Vendéens ont tenu aussi longtemps, c'est d'abord qu'ils ont su s'organiser. Et puis aussi que, contrairement à d'autres régions, je ne veux pas me montrer chauvin par rapport à ma région, parce que moi je suis vendéen, bon voilà, je suis meilleur qu'un autre, mais les gens craignaient moins pour l'aspect matériel. C'est-à-dire qu'un vendéen, on lui brûle sa maison, ça ne l'empêche pas de continuer à se battre. Peut-être que dans d'autres régions, c'est moins évident. Peut-être que dans d'autres régions, c'est moins évident. Peut-être que les gens sont plus attachés. Peut-être aussi que c'était peut-être un petit peu plus riche, donc on craignait un petit peu plus qu'on s'attaque à sa maison, même à sa famille. Le Vendéen, on s'attaque à sa famille, ça ne l'empêche pas, ça ne le fera pas changer d'opinion. Donc c'est pour ça que, on va dire que, alors à l'époque, c'est qui est au pouvoir réellement à Paris? C'est qui dirige la France à cette époque? Alors, qui c'est qui dirige la France? C'est très particulier parce que on a un conglomérat de gens qui prennent des décisions. Qui sont bonnes le matin et mauvaises le soir. On se tire un peu dans les jambes les uns les autres. Bon, tout ça, c'est toujours orchestré un petit peu par les loges maçonniques qui, sous couvert d'humanisme, essayent d'apporter, voudraient apporter un progrès social, etc. Mais même dans les loges eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Et puis, on l'a vu avec le déroulement de la Révolution. Vous êtes un grand orateur le soir, mais le lendemain matin, vous pouvez être guillotiné. Donc c'est pas, y a rien qui se tient. On ne peut pas dire que qui dirige la France. Est-ce que c'est Robespierre qui dirige la France au moment de la Terreur? Oui, on l'écoute. Mais des gens comme Lazare Carnot, par exemple, que tout le monde prend pour un héros, même y compris chez des gens qui ne sont pas forcément pro-révolutionnaires aujourd'hui, on veut oh, Lazare Carnot, on ne touche pas à Carnot. Carnot annoncera quand même dans une lettre, en juillet 1794, il n'hésite pas à dire, je sais, alors bon, je n'ai pas les termes exacts parce que je n'ai pas la lettre sous les yeux, mais il dit, oh, je sais qu'il faudrait épargner les vieillards, les femmes et les enfants, mais on ne peut pas se le permettre. Ce serait quelque part trahir la liberté, ce serait, de toute façon, non, il faut tout incendier, il faut tuer tout le monde. Il n'y a que comme ça que la République pourra s'en sortir, pourra progresser, etc. Et donc ils envoient ce qu'on appelle, alors ça c'est quelque chose qu'on apprend quand même de très loin, c'est les fameuses colonnes infernales. Donc c'est quoi ces colonnes infernales? Elles sont formées de qui? Qui les commande? Comment ça s'organise? Les colonnes infernales, elles sont, bah, comme tout le monde le sait, elles sont dirigées par Louis-Marie Thureau de Garambouville, n'est-ce pas? Et Louis-Marie Thureau propose à la Convention de tout exterminer, de massacrer tout le monde, quelle que soit son opinion d'ailleurs, républicain ou royaliste, peu importe, il faut vider le territoire de la Vendée militaire de ses habitants. Voilà. C'est ça, que ça, on vide tout le monde. On ne cherche même pas à comprendre qui est pour, qui est contre. Vous me... Voilà, parce que tout a été essayé, on a essayé de se battre, etc. Bon, les armées républicaines, elles n'arrivent pas à écraser le soulèvement en Vendée. Elles n'y arrivent pas. D'abord parce qu'elles sont mal organisées, d'abord parce qu'il y a des dissensions intestines entre eux, et puis parce que
une armée contre un peuple entier qui se soulève, ça ne donne rien. Par définition, c'est, oui, donc c'est il faut massacrer tout le monde. Il faut massacrer tout le monde. Et on propose même, alors on propose de repeupler, quand on aura massacré tout le monde, on va faire venir des gens de d'autres territoires de la France qui sont plus favorables au régime pour repeupler, etc. Oh, c'est pas nouveau les phénomènes de génocide, hein. On a ça dans tous les coins du monde, hein. On a eu ça en Afrique, au Rwanda, on a eu ça encore récemment. Puis bon, y a les deux grands systèmes que tout le monde connaît, hein, communisme et nazisme. Voilà, bon, il n'y a plus rien à prouver. Le système des colonnes infernales, il est proposé par Louis-Marie Thuroux de Garambouville à la Convention, qui dans un premier temps ne répond pas, s'abstient de répondre et d'acquiescer à son système. Et puis, il insiste. Il demande, mais est-ce que mon système, il vous convient? Parce que là, je suis prêt à lancer mes colonnes, etc. Et puis là, mystérieusement, mais alors voilà, par contre, j'empiète pas sur le territoire des historiens, des grands historiens nationaux. Bon, il faudrait lire, par exemple, le dernier livre de Renal Secher. On lui répond, entre autres par Lazare Carnot, tes intentions nous paraissent bonnes. En gros, voilà, tu peux y aller. Voilà, on ne dit pas, on ne donne pas un mot officiel sur ce qu'il doit faire, etc. Tes intentions nous paraissent bonnes. Voilà, donc Thuroux a carte blanche, et il lance ses 12 colonnes qui doivent complètement... Alors, ils doivent brûler les forêts, alors chose complètement débile d'ailleurs, puisqu'on lance les colonnes le 21 janvier 1794, bizarrement, le jour de l'anniversaire de la mort du roi. On lance les colonnes en plein mois de janvier, donc pour faire brûler des forêts en plein mois de janvier. Surtout, Patrick, si tu reviens un petit peu cet hiver en Vendée, tu verras comment ça se passe au mois de janvier. Tu essaieras de faire brûler une forêt, tu verras. Tu essaieras et puis tu me diras si c'est facile. Et on doit brûler les forêts, on doit arracher les haies. Alors c'est quand même fort, hein, arracher toutes les haies du bocage, il faut s'y mettre. Hein. Et puis, on doit bien entendu brûler les maisons et exterminer les habitants. Et alors, ça donne évidemment des scènes effroyables. Si tu le permets, j'ai deux, trois notes. Ah ben, citons-le. Alors, je vais lire ça, je vais essayer de vous lire quelques notes. Et alors, des notes qu'on ne trouve pas forcément dans tous les bouquins, parce que c'est dans les grands bouquins de vulgarisation. Alors, si vous me permettez... parce que moi je suis toujours très mal organisé quand je suis interviewé. Alors cette fois-ci, j'ai de la chance, il n'y a pas de vent qui vont faire voler mes papiers chez le voisin. Et vous allez voir quelques exemples de choses qui se sont passées comme ça. Ouais, parce qu'on n'est pas très informé, hein, justement, des faits. Voilà, là on va rentrer dans les faits, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces faits, on peut les retrouver dans les registres paroissiaux, parce que certains prêtres réfractaires au système, ceux qui n'ont pas prêté le serment et qui ont eu la chance de pouvoir se cacher, de ne pas être déportés ou noyés, etc., ont dressé des registres de ce qui s'est passé, de qui est mort, etc. Et on a pu comme ça avoir des listes interminables de personnes. Bon, le plus connu, évidemment, c'est les Lucs-sur-Boulogne, hein, 564 morts, dont 109 enfants de moins de 7 ans. Et on a aujourd'hui des noms qui nous sont parvenus d'enfants de 3 mois, de 6 mois, qui sont morts dans des conditions atroces. Et puis, on a des récits contemporains. Alors, en récits contemporains, je vais vous lire ici, par exemple, les mémoires de Louis Monnier, un Vendéen, chef de la division de Montfaucon, qui nous raconte ce qu'est le village de Jété après le passage de la colonne infernale de Cordelier, donc en février 1794. Je laisse la parole au Monnier qui nous dit « Il fallait passer le bourg de Jété qui était en feu, il faisait noir, nous nous arrêtâmes un instant à l'entrée du bourg pour voir s'il n'était point resté de bleu. » Les bleus, c'est les républicains. « Comment passer? Les maisons en feu tombaient dans les rues. Heureusement que nos chevaux n'étaient pas peureux, nous passions sur ces chevrons qui brûlaient.
Nous voyions dans les portes des femmes égorgées que le feu brûlait, des enfants massacrés que l'on avait jetés dans les rues. Tel fut le spectacle que nous eûmes en traversant le bourg à 10h du soir. Ce qui m'effraya le plus fut une maison qui était tout en feu. Nous aperçûmes dans des chambres du bas une quantité de victimes qui brûlaient et dont l'odeur qui sortait par les croisées nous infectait. À peine étions-nous passés de 15 pas que la maison s'écroula. La charpente tomba dans la rue, ce qui fut un feu épouvantable. Donc on va continuer avec, si vous voulez, Monnier un petit peu plus loin, ce qu'il raconte dans ses mémoires, parce que on ne va pas parler de tout, parce que Monnier, il fait aussi des états, de choses militaires, etc. Bien entendu, c'est un combattant. Donc. Et puis, on va aller un petit peu plus loin. Et Monnier nous raconte, à propos du village de la Jumelière, qui se trouve aujourd'hui dans le département du Maine-et-Loire, il nous dit, à un quart de lieue de la Jumelière, j'aperçois dans un coin de chemin un monceau de victimes, amoncelé comme une corde de bois entre un chêne et un grand piquet. Il y en avait à la hauteur d'un homme et plus de 15 de long, tête à pied. Ce spectacle m'effraya, mais c'était comme rien. À 50 pas plus loin, j'aperçois un homme, dans le coin d'un champ de genêt, qui baissait la tête et la relevait. Je crus que c'était l'ennemi qui était dans le champ de genêt. Je fais filer mes deux cavaliers derrière moi au bout du champ pour bien regarder s'ils ne voyaient rien. Ce malheureux m'aperçut et se sauva. Je lui criai, arrête ou tu es mort. Il vint à moi et je lui dis, que fais-tu là? Il avait une pelle sur l'épaule. Il me dit, ah, j'ai eu grand peur. Il se mit à pleurer. Voyez, me dit-il, dans le milieu du chemin, ma femme égorgée, mes 5 enfants avec, et je suis à faire une fosse pour les mettre. Je fis 10 pas. J'aperçus une femme étendue dans la boue, un enfant sur le bras gauche, un sur le bras droit, un autre sur la jambe gauche, un autre sur la droite, et le cinquième au sein de sa mère. Belle mise en scène, n'est-ce pas, hein? Tous avaient la tête ouverte, le cerveau ôté et mis dans la poche du tablier de la mère. Jamais on ne pourra croire une barbarie pareille. Ça, c'est ce que faisaient les colonnes infernales. Voilà. Alors maintenant, un autre mémorialiste, Boutillier de Saint-André, qui a 12 ans à l'époque et qui ne prend pas part, disons que sa famille essaye de fuir. Ils ne prennent pas part vraiment du côté royaliste ou du côté républicain. Eux, ils fuient, c'est tout. Ils essayent de sauver leur peau. Et ils fuient la ville de Mortagne où il habite avec ses parents. Enfin, sa mère est déjà partie, il fuit en direction des herbiers avec son père, et voilà ce qu'il décrit en arrivant aux herbiers. En arrivant aux herbiers, nous trouvâmes tout le bourg dévoré par les flammes. Les républicains y avaient passé le jour d'avant et y avaient mis tout à feu et à sang. Les maisons brûlaient encore, les charpentes, les couvertures s'écroulaient de toutes parts avec un fracas épouvantable. Des tourbillons d'étincelles et de fumée s'élevaient des ruines comme des trombes de poussière. Des cadavres gisaient dans les rues. Nous ne vîmes dans ces lieux désolés que quelques chats qui n'avaient pas encore abandonné leur maison détruite. Alors maintenant, on va passer dans les documents républicains. Et là, ce sont les dénonciations de, bien souvent, de maires ou de conseillers municipaux républicains qui commencent à comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri, qu'on va aussi les massacrer pour le seul fait d'habiter en Vendée. Parce qu'on n'est plus dans une logique de guerre civile où on va tuer des gens pour ce qu'ils font, mais on tue des gens pour ce qu'ils sont. Et c'est là où est le problème de toute la problématique d'un génocide. Parce qu'on n'est plus dans une logique de répression d'une guerre civile ou de quelqu'un qui a une opinion différente de la sienne. On va tuer quelqu'un pour ce qu'il est. Comme si on avait décidé, par exemple, de tuer tous les gens qui ont les cheveux roux. Yes. Là, on décide de tuer tous les gens qui habitent sur le territoire insurgé. Y compris, on ne sait même et pas... Quelle que soit leur opinion. Ça, c'est là toute la grande folie du régime terroriste. Je cite, « A comparu la citoyenne Marianne Rustan de la commune du Petit Bourg des Herbiers, qui a déclaré que lorsque les volontaires de la division de Grignon sont arrivés chez elle, elle fut au-devant d'eux pour leur faire voir un certificat, c'est un certificat de civisme, il faut comprendre, du général Barre et leur offrit à se rafraîchir, mais que ceux-ci, plus furieux que des tigres, lui avaient répondu qu'ils en voulaient à sa bourse et à sa vie. C'est pas d'aujourd'hui hein, que la République en veut à votre bourse, mais là au moins c'est écrit. Lui ôtèrent environ 42 livres, seul argent qu'elle avait. Non content de cela, ils l'obligèrent en la menaçant à rentrer chez elle pour leur montrer l'endroit où elle pourrait en avoir caché. Dès qu'elle fut entrée,
Quatre d'entre eux la prirent et la tinrent, tandis qu'au moins 20 de leurs camarades assouvirent leur brutale passion pour elle et la laissèrent presque nue. Après quoi ils furent mettre le feu dans les granges, ce que voyant la déclarante, elle ramassa toutes ses forces pour aller faire échapper ses bestiaux. Ce que trois d'eux voyant, ils coururent après elle pour la faire brûler avec ses bœufs, et étant parvenue à s'en échapper, elle se rendit auprès de sa mère âgée d'environ 70 ans, lui trouvant un bras et la tête coupée, après lui avoir pris environ 900 livres, seul produit de ses gages et de leur travail. Enfin, elle fut obligée de l'enterrer elle-même, après quoi elle se couvrit des hardes. Alors, en vendéen, les hardes, ce sont les vêtements qu'on avait laissé chez sa mère, et parvint enfin à se rendre chez le citoyen Graffard des Herbiers, où elle fut en sûreté et a déclaré ne savoir signer. On passe maintenant au département de Loire-Atlantique. Avec les registres clandestins de l'abbé Robin, prêtre caché à la chapelle Basse-Mer en Loire-Atlantique, ce registre de l'abbé Robin a été exploré notamment par l'historien Reynald Secher. Alors, en voici quelques extraits. Où l'abbé Robin, qui est caché, raconte « Là, c'était de pauvres jeunes filles toutes nues suspendues à des branches d'arbres, les mains attachées derrière le dos après avoir été violées. Heureux quand, en absence des bleus, quelques passants charitables venaient les délivrer de son honteux supplice. Ici, par un raffinement de barbarie peut-être sans exemple, des femmes enceintes étaient étendues et écrasées sous des pressoirs. Une pauvre femme qui se trouvait dans ce cas fut ouverte vivante au bois chapelet près le Maillon. » Le Maillon, c'est un petit hameau de Loire-Atlantique qui se situe non loin du Loroux-Bottereau. Le nommé Jean l'aîné de la Croix de Beauchêne fut brûlé vif dans son lit où il était retenu pour cause de maladie. La femme Samson du Pré-Bardou eut le même sort. Après avoir été, excusez-moi, à moitié massacrée, des membres sanglants et des enfants à la mamelle étaient portés en triomphe au bout des baïonnettes. Une jeune fille de la chapelle fut prise par des bourreaux. Après l'avoir violée, ils la suspendirent à un chêne les pieds en haut. Chaque jambe était attachée séparément à une branche d'arbre et écartée le plus loin possible l'une de l'autre. C'est dans cette position qu'ils lui fendirent le corps avec leurs sabres jusqu'à la tête et la séparèrent en deux. D'habitude, un petit peu avant, en 93, quand on a commencé les massacres, les vagins de femmes, on ne les découpait pas à coups de sabre, on les bourrait de poudre et on les faisait exploser. C'était beaucoup plus amusant. Voici à nouveau les archives républicaines. Avec une lettre de Morel et Carpentier, deux républicains qui se plaignent au comité de salut public qu'eux-mêmes ne sont pas à l'abri des colonnes infernales. Lettre datée du 24 mars 1794. À Montournay, aux Épaisses et dans d'autres lieux, Amet fait allumer des fours et lorsqu'ils sont bien chauffés, ils y jettent les femmes et les enfants. Nous, on lui avons fait des représentations. Il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D'abord, on a condamné à ce genre de femmes. À ce genre de mort, les femmes brigandes, sous-entendu les brigandes, ce sont les femmes de Vendéens. Et nous n'avons trop rien dit. Mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et tureaux qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles, les royalistes manquant, vous noterez le terme femelle. Ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes. Déjà, à notre connaissance, 23 ont subi cet horrible supplice et elles n'étaient coupables que d'adorer la nation. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont menacés du même sort. Nous allons reprendre, si tu veux bien, ouais. Patrick, je ne vais pas vous ennuyer toute la soirée. Ah non, mais là, ça permet aussi un peu de bien jeter, j'ai envie de dire, les bases de cette affaire, parce que quand on nous a, tu sais très bien qu'il y a une forme de propagande quand même autour de cette guerre de Vendée, on nous parle vaguement d'un massacre, mais je parle bien vaguement, hein, puisqu'on parle d'une révolte lointaine, on a l'impression de gens qui manifestent dans la rue et puis qu'on réprime un peu ça. Alors là, il s'agit d'actes de barbarie, atroce quoi, atroce. C'est atroce et ça avait laissé des souvenirs dans la culture populaire, des souvenirs que la République a tout fait pour gommer. Et ça a assez bien fonctionné finalement, puisqu'il y a aujourd'hui assez peu de gens qui ont la mémoire de ces faits. Les deux départements où les choses se sont le mieux transmises, je pense que c'est dans la partie nord du département actuel de Vendée, mais on n'en parle pas trop. Bon, aujourd'hui, le tourisme, bon, le Puy du Fou, etc., tout ça, ça a fait que les choses ressortent un petit peu. Moi, où j'ai rencontré les gens qui étaient les familles où les gens avaient le plus d'intérêt pour cette mémoire-là, c'est le département du Maine-et-Loire, curieusement, où il y a eu énormément d'atrocités aussi, comme dans les trois autres départements concernés, mais où ça s'est le plus, on va dire, transmis de génération en génération et où ça s'est cultivé.
Et voilà, je vous cherchais un petit entrefilet qui concerne le département 85 et je voulais conclure là-dessus. Et comme j'ai mis mes notes tout en désordre, évidemment, oui, voilà. Alors là, c'est le témoignage d'un ancien compagnon du général vendéen Charette. Ça se passe dans le petit hameau de l'Annouette, qui est un petit groupe de fermes. C'est près de Beaufou. Donc, pour ceux qui ont du mal à situer, si je parle des Lucques-sur-Boulogne, évidemment, et de ses 564 morts, on est dans ce même secteur. Et effectivement, ça aidera à situer sur les cartes. Il parle tout simplement d'une femme pressée par les douleurs de l'accouchement qui était cachée dans une masure près de ce village. Des soldats la trouvèrent, lui coupèrent la langue, lui fendirent le ventre, en enlevèrent l'enfant à la pointe des baïonnettes. On entendait d'un quart de lieue les hurlements de cette malheureuse femme qui était expirante quand on arriva pour la secourir. Ça, tout ça, ce sont les faits de la République, quoi. Ce sont les faits de la République. Tous ces faits se passent en braillant la Marseillaise, en hurlant la Marseillaise. Et c'est pour ça que cet hymne national, pseudo-national, moi personnellement, je ne l'ai jamais chanté de ma vie et je ne le chanterai jamais. Ce n'est pas pour autant que je cautionne ceux qui vont le siffler ou quoi que ce soit pour d'autres raisons que les miennes. Mais il faut bien reconnaître quand même qu'il y aurait des paroles un petit peu plus douces. Disons que ça passerait peut-être un peu mieux, ça passerait peut-être un peu mieux aussi auprès des nations étrangères, quoi, qui se posent un petit peu la question ce que c'est que ces paroles veulent dire. Parce qu'il n'y a pas quand même pas plus xénophobe et plus raciste que la Marseillaise comme, quand on écoute les paroles, hein. Et d'autant plus que la musique, soi-disant musique originale de la Marseillaise, n'a jamais été de Rouget de Lisle, mais c'est un ancien. Une composition qui datait de 1781, qui était d'un compositeur italien qui a été complètement plagié. Voilà. Ah oui, Ah d'accord. oui, ça c'est tout à fait vérifiable. Par contre, évidemment, l'État français ne va pas trop se vanter de ce plagiat. Bon, après, à moins que Rouget de Lisle ait vraiment eu tombé pile poil sur les mêmes notes que le compositeur italien. Bon, voilà, bon. Peu de chance. Mais comment cette guerre, on y a mis fin? Parce que je sais que du côté vendéen, les gens essaient de s'organiser. Il y avait, semble-t-il, plusieurs mouvements de résistance. Mais pourquoi les Vendéens, ils ont perdu vraiment cette guerre? Manque d'organisation, Ben, panne militaire? pour une raison déjà logique qui est que la République se renouvelle sans cesse. Elle mobilise des gens, oh bon, pas forcément qui sont très charmés d'y aller, hein. Mais notamment les colonnes infernales d'ailleurs sont composées en majeure partie de volontaires parisiens. Hein. Mais il y a aussi des gens en un petit peu toutes les régions. Il y a des gens qui sont très contents hein, d'être dans les colonnes infernales, hein, puisqu'on peut piller, on va voler tant qu'on peut, Ouais, donc. violer, enfin c'est. Voilà, voler, violer, bon après tout, pourquoi s'en faire? Mais la République se renouvelle en troupes. On tue des soldats républicains, il en arrive d'autres. Tandis que la Vendée a ses limites, elle a ses limites, son territoire insurgé. On ne peut pas renouveler les hommes qui sont tués ne sont pas remplacés. Et puis comme ben, en plus par-dessus le marché, tout ce qui peut appuyer les combattants, comme leurs propres femmes par exemple, sont systématiquement massacrés. Eh bien, voilà, la Vendée finit par s'épuiser d'elle-même. Et puis, bon, il y a les amnisties, enfin, les amnisties, on ne parle pas encore d'amnistie, mais il y a des traités de paix qui vont se faire en 1795, bon, puis ensuite, bien entendu, le dernier en 1800. Mais la Vendée s'épuise, la Vendée commence à n'avoir plus de vivres, la Vendée, tous les moulins sont détruits. On a du mal à faire de la farine. C'est ce que j'allais dire, il y a une famine aussi un peu, Il y a une parce que, famine, bien ouais, entendu. parce que les gens ne peuvent pas se battre et aller au champ. Alors, bien entendu, au début de la guerre, ils retournent à leur champ de temps en temps, quand le combat est fini, hop, on retourne cultiver son champ, etc. Mais bon, 2 jours plus tard, il faut repartir, parce que les républicains, on les a chassés d'un village, ils sont revenus dans un autre, bien entendu. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'appui. Le reste de. Les quelques territoires insurgés qui étaient insurgés en même temps bon, ont été écrasés. L'appui anglais, on ne peut pas trop compter dessus. Donc finalement, la République qui gagne du terrain, quoi. Elle ne gagne pas du terrain
en convaincant les habitants de son bien fondé, mais elle gagne du terrain par les morts. Par la mort. Alors aussi, il y a une petite précision, parce que souvent, moi quand je suis arrivé ici, j'avais aussi ce préjugé d'appeler les habitants de la Vendée les Chouans et la gare des Chouans. Or, on m'a dit tout de suite, non, 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 les Chouans, c'est en Bretagne, ce n'est pas en Vendée. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu ça, parce Alors, que... donc, on Parce va qu'on appelle dire. ça la gare des Chouans, Oui, bizarrement, oui. moi-même, quand j'ai débuté, que je m'intéressais aux guerres de Vendée, bon, je commençais à m'intéresser à peu près à l'adolescence. Bon, à l'adolescence, on ne rentre pas trop dans les détails. Et pour moi, on vendait dans des boutiques de souvenirs une statuette en bois sculpté. C'était un Vendéen, c'était un Chouan, on ne sait pas trop ce que c'était. Bon, voilà, bon, c'était un combattant avec une faux. Bon. Les Vendéens, le mot vient alors du nom du département où la première grande bataille qui a vraiment inquiété la République s'est livrée. Donc ça s'est passé dans le département de Vendée. Donc la République a décrété d'appeler enfin, ce territoire insurgé la Vendée, non plus dans le nom. D'ailleurs après, par la suite, après le passage des colonnes infernales, on changera le nom en département Vengé. D'ailleurs, ça, à lire, bon, tous les historiens classiques qui parlent de ce sujet. On dénommera tout le territoire du sud de la Loire insurgé, donc sud Loire-Atlantique, sud Maine-et-Loire, nord de Sèvres et nord Vendée, on appellera ça la Vendée. Et on appellera ça même la Vendée militaire. Certains républicains, d'ailleurs, essayeront de faire revenir la Convention à dire mais il ne faut pas appeler ça les guerres de Vendée, ça n'a rien à voir, c'est les guerres de l'Ouest. Mais on retiendra quand même le mot guerre de Vendée. Au nord de la Loire, il y aura une insurrection et il y aura un petit peu, on va dire, quelques mois après le déclenchement de la guerre de Vendée, il y aura une guerre qu'on va appeler guerre des Chouans. Du nom d'un certain Jean Cottereau, qui dirigera une troupe d'insurgés en Mayenne du côté de Laval, qui est surnommé Jean Chouan. Pourquoi Chouan? Parce que c'est la contraction argotique du mot chat-huant, parce que ces gens-là avaient été dans le faux-saunage sous l'Ancien Régime, et avaient pris l'habitude, les faux-sauniers avaient pris l'habitude de communiquer entre eux pour éviter les gabelous en imitant le cri de la chouette. Alors, qu'est-ce que c'est un faux-saunier? Alors un faux-saunier, c'était un trafiquant de sel. D'accord. Un trafiquant de sel. Et il y avait beaucoup de ces anciens faux-sauniers qui vont rentrer dans l'insurrection contre la République, parce que bon, les histoires de trafic de sel, ça ne les concerne plus vraiment après la République, mais ils vont remployer cette méthode d'imiter le chat-huant, la chouette, la nuit notamment, pour communiquer entre eux et pour surprendre les colonnes républicaines. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les maquisards, les résistants de cette même région utiliseront la même méthode contre les Allemands. C'est amusant. Et par extension, Jean Cottereau est surnommé Jean Chouan. Tous les hommes qui se battent avec lui sont surnommés les Chouans. Et par extension, les Bretons et même les Normands insurgés seront appelés les Chouans. Donc, pour ce qui est de la première partie de la guerre, donc jusqu'en... Enfin, on va dire les deux premières guerres de Vendée, 1793-14 et puis 1796, on va bien faire la différence entre au sud de la Loire, ce sont les Vendéens, et au nord de la Loire, ce sont les Chouans. Et aujourd'hui, même encore, toi-même, tu t'es fait admonester parce que tu confondais les deux. Par contre, moi, je vais mettre un bémol à ça, parce que lors de la troisième guerre de Vendée, ce qui correspond à la deuxième guerre des Chouans, donc les années 1799-1800, où il y a de nouveaux soulèvements contre le directoire et consulat, eh bien on va tout va être dénommé sous le nom de Chouan. Moi j'ai vu les archives, par exemple les archives de Niort dans les Deux-Sèvres, où il y a des troubles qui se passent dans le nord du département fin 1799, où l'administration républicaine écrit clairement, à propos des gens qui sont insurgés, elle emploie clairement le mot Chouan. Là, on est loin de la Bretagne. Donc là, on est toujours au sud de la Loire, ça devrait être des Vendéens, mais bon, ils sont appelés Chouans. Voilà. Donc, on va dire que tu avais
tort et à la fois raison. Oui, d'accord. Tu avais tort, si on parle purement de la période 1793 jusqu'à 1796, oui, tu as tort. C'était les Vendéens au sud, les Chouans au nord. Après, les dénominations, tout est mélangé, ce sont des Chouans. Hein. D'accord. Oui, parce que certainement, après, on a fait un espèce d'amalgame. Quoi. C'est les Chouans, de toute façon, tout ce qui vient de l'Est. On a fait un amalgame, c'est voilà, dans l'Ouest, c'était les Chouans. Et puis, voilà. Bon, par contre, moi, je tiens quand même à faire la différenciation des deux. Pour celui qui débute dans le domaine, il faut bien faire la différence. Bien sûr. Et puis dans la chouannerie, il y avait la chouannerie bretonne qui militait bien sûr pour conserver l'ancien régime, mais aussi parce qu'elle y avait intérêt, puisque sous l'ancien régime, la Bretagne avait son autonomie. Tout à fait. Alors ça, c'est très important. On l'a également évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que sous l'ancien régime, les provinces françaises avaient une forme quand même d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Elles n'étaient pas aussi, on va dire, soumises que ce qu'amène la Révolution. Disons que, pour résumer, on fout la paix aux provinces françaises. On fout la paix, voilà. Il y a même des parlements provinciaux. Bien sûr, oui, le parlement de Bretagne. Et comme notamment au Pays Basque, tout à l'heure on en parlait hors antenne, les Basques qu'on a déportés, etc., qu'on a enfermés, qu'on a laissé crever de faim. Que les Basques refusaient aussi la révolution. Parce que les Basques n'étaient pas spécialement pro-révolutionnaires non plus. Et puis parce qu'ils estimaient que sous le roi, on leur fichait la paix et puis qu'ils étaient tranquilles. Et puis là, sous la République, il faut... comme je te disais tout à l'heure, c'est l'archétype, c'est comme dans tous les gouvernements terroristes, on essaye de régénérer le pays. Voilà. Donc il faut un homme nouveau. Donc le Basque, comme le Vendéen ou comme d'autres, ne correspondent pas à l'archétype du bon républicain parisien qui est l'homme modèle. Donc forcément, et en plus les Basques, ils ont une langue différente, ils ont des coutumes différentes, donc ces gens-là, il n'en faut pas. Ou ils se soumettent et ils deviennent des républicains, des hommes nouveaux, ou alors ils crèvent. Voilà. Et donc il y a eu des colonnes infernales aussi au pays. Il n'y a pas eu de colonnes infernales, disons que ça a été sans arrêt. À la base, c'était un harcèlement, des vexations sans limite. On fait comprendre aux gens, vous êtes des sous-hommes. Quoi. Ouais, vous êtes, ouais. Voilà. Et puis, la liste est longue. Patrick, on ne pourrait pas y passer toute l'émission, mais des pays qui se sont insurgés contre la République, il y a le Sancerrois, bon, un peu tardivement, certes, mais il y a la vallée du Rhône. Correspond actuellement aux actuels départements de Lozère et d'Ardèche. Le petit village de Saran dans le Gers, qui est un petit village des plus beaux de France, où tout le monde aime bien aller se promener l'été, etc. Le village de Saran était ultra-royaliste, figure-toi. Et c'était un îlot tout perdu dans sa région, tout seul, royaliste, il cachait des prêtres réfractaires partout, etc. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ils ont été obligés d'abandonner la partie, mais même l'historien Jean-Clément Martin lui-même, qui est on va dire très pro-révolutionnaire dans son ouvrage, reconnaît lui-même que la révolution, la moitié de la France était contre. Ça, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est un grand mythe qui est en train de s'effondrer finalement sur cette révolution. Ah, c'est un mythe, oui, parce que très tôt les révolutionnaires ont compris que il fallait monopoliser l'information. Il fallait monopoliser l'information, sinon il y avait un risque d'effondrement. D'ailleurs, il y a eu un effondrement en 1800 avec l'avènement de Napoléon. Ensuite, c'est la Restauration, Louis XVIII, et puis Charles X. Ensuite, nouvelle révolution, usurpation des Orléans. Nouvelle révolution, Deuxième République. Deuxième République qui se casse encore la figure avec le Deuxième Empire, etc., etc., avant une stabilisation qui ne se fera pas avant le début du XXe siècle. Mais, tu vois, je vais te citer un exemple. Les amateurs de guerre de Vendée connaissent le sujet. Lorsque Bonchamp, le général, un des généraux vendéens, au moment du passage de la Loire, quand les Vendéens vont essayer de rejoindre les Chouans, eh bien, il gracie 5000 prisonniers républicains qui étaient emprisonnés dans l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. Et il gracie ces 5000 prisonniers républicains que les Vendéens, eux, n'auraient pas hésité à tuer. Il dit... je leur pardonne, libérez-les. Et puis il avait bien compris aussi qu'il n'allait pas s'encombrer de 5000 bouches à nourrir en plus. Mais c'est un acte profondément chrétien qu'il fait. Parce que Bonchamp est profondément chrétien. Il dit, voilà, on ne peut pas amener ces hommes avec nous, on ne pourra pas les nourrir. Et puis, de toute façon, voilà,
Moi, ma foi chrétienne me dit, on ne va pas les massacrer, on les libère. Eh bien, dans les courriers officiels, les républicains n'osent pas à écrire, n'osent pas, n'hésitent pas à écrire, à dire, oh là là, il ne faut pas que ça se sache. Il faut absolument qu'à Paris, la Convention, qu'on lui dise que ce sont nous qui ont libéré les prisonniers vendéens. Tu te rends compte, vous vous rendez compte, les prisonniers, nos prisonniers, ils nous disent qu'ils ont toujours été bien traités. Il ne faut pas que ça se sache. On va dire que c'est nous qui les avons libérés. Et la propagande commence comme ça. Et Merlin de Thionville avait dit, les Vendéens ne font pas de journaux. Ça s'oubliera. Voilà. Et pendant des années, on va dire que bah, on va jamais parler du Parlement de Bonchamp. Sauf qu'il y a quand même quelques. Il y a bon, les mémorialistes de la guerre de Vendée vont en parler. Et puis bon, bah, il y a le célèbre David d'Angers qui a fait la sculpture du tombeau actuel de Bonchamp, en remerciement parce que son père, justement, était dans les soldats républicains et avait été libéré par Bonchamp. Alors là, effectivement, après, le mythe s'effrite un petit peu. Et aussi, alors justement, puisqu'on est dans la région, il y a l'histoire de La Roche-sur-Yon, alors qui est actuellement la préfecture de Vendée. Et tu m'expliquais que ça date de Napoléon, parce que en fait, c'est un village qui a été rasé. Alors, La Roche-sur-Yon était sur le territoire du passage des colonnes infernales. C'était un petit village qui faisait moins de 1000 habitants. Voilà. Voilà, ça faisait moins de 1000 habitants. Et puis, La Roche-sur-Yon, c'était rien. C'était, pardonnez-moi l'expression, c'était le trou du cul du monde. Et lorsque Napoléon Bonaparte, qui lui a compris qu'il fallait arrêter toutes ces bêtises contre la Vendée, il a dit voilà, on va exempter la Vendée pendant de 10 ans de fiscalité, etc. Et puis, Napoléon était quand même un personnage très orgueilleux, il a dit cette préfecture de Fontenay-le-Comte, complètement décentrée par rapport au département, ça faisait exactement le même cas de figure que Niort par rapport aux Deux-Sèvres, qui est d'ailleurs toujours actuellement décentré. Les gens du nord des Deux-Sèvres ne mettent jamais les pieds à Niort. On n'a rien à y faire. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'est trop loin et il n'y a même pas de route pour y aller quasiment. Donc et Napoléon il a dit, voilà, symboliquement, comme dans le département de la Vendée, de toute façon, il n'y a quasiment plus de maisons, plus d'habitants, moi je vais y faire une préfecture digne de ce nom qui sera en plein milieu du département et je vais prendre ce village où il n'y a plus rien. Et là, on va faire une ville. Voilà, complètement. On reprend tout dès le départ et on refait une ville Qui sera La Roche-sur-Yon, qui est l'actuelle qui sera la, qui, préfecture. qui est toujours la préfecture de Vendée actuelle. D'accord. Donc voilà, un petit historique en plus de même l'histoire de la préfecture a son petit historique, quoi. Et aussi, alors, on a parlé de cet attachement à la monarchie, parce qu'en fait, les Vendéens, on les a présentés comme à la fois très catholiques et très monarchiste. Est-ce que c'est vrai dans le fond? Est-ce que c'est ça qui a été la motivation de cette révolte? La motivation monarchiste, je ne suis pas certain que dès le début des guerres de Vendée, c'était une motivation purement monarchiste. Disons que c'était une motivation surtout contre le nouveau système. Et les Vendéens se sont dit, voilà, les réformes, c'était très bien, mais là, ça a été trop loin. Ça a vraiment été trop loin. Et puis les Vendéens n'avaient pas de raison d'en vouloir au roi en particulier. Pas de raison d'en vouloir au roi particulièrement. Il y avait des choses à réformer dans l'administration, il y avait des injustices à pallier, etc. Mais ils se sont révoltés contre des choses qui étaient en fait des injustices bien pires que celles qu'ils connaissaient avant. Donc voilà, on s'est dit, mais voilà, mais l'ancien système était nettement mieux. On s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous avec ces réformes, on s'est moqué de nous avec ces systèmes et on se moque de nous avec cette révolution. Et par la suite, l'attachement royaliste de la Vendée, je crois qu'il s'est fait autour de toutes les horreurs aussi de la guerre. Et puis, aujourd'hui, dire que la Vendée est royaliste, non, elle n'est pas royaliste. Mais une chose est sûre, c'est qu'au fond d'elle-même, je pense, je ne suis pas du tout convaincu qu'elle soit républicaine. Elle a été surtout bien démolie dans son image. Parce qu'aujourd'hui, la Vendée, on parle de la Vendée, on voit surtout le département, on ne voit pas forcément l'histoire de l'insurrection. Oh ben la Vendée, c'est sympa, il y a le Puy du Fou, il y a les Sables d'Olonne, il y a Noirmoutier, il y a plein de trucs à visiter, c'est sympa, c'est la plage, bon, voilà.
Mais pendant des décennies, ça a été quand même les Vendéens, ça a été quand même des gens, voilà, on les présentait dans les bouquins d'histoire comme des traîtres à des traîtres à la nation. Tout à fait. Au mieux, au pire, c'était ça, ou au mieux, on n'en parlait pas du tout. On ne parlait pas du tout de guerre de Vendée. Hein. Emmanuel Scolaire faisait l'impasse totale. Et puis, voilà, la Révolution, c'était le grand mythe, c'était une chose formidable, la Révolution. Personne ne peut contester les bienfaits de la Révolution, n'est-ce pas, hein? Et les Vendéens, bah, ceux qui s'étaient insurgés, les Vendéens, les Bretons, des péquenauds, d'infâmes péquenauds ignorants, menés par des curés complètement fous furieux, enfin bon, voilà, mais à bien y réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que si on avait été à leur place, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui habite une autre région de France, s'il avait vécu en Vendée à cette époque, de quel côté aurait-il pris? Aurait-il été républicain? Aurait-il été dans les royalistes? Est-ce que les gens sont capables de le dire vraiment avec force de quel côté ils auraient été? J'en suis pas convaincu non plus. Et puis, toutes ces horreurs cachées, toutes ces abominations pour un mythe, pour un système républicain qui n'est pas mieux qu'un autre. Certes, une démocratie, mais dans la plupart des autres pays d'Europe, il y a des monarchies, et puis monarchie parlementaire, et voilà. Et ça coûte même moins cher que nos protocoles républicains, d'ailleurs. La République française a la réputation de coûter beaucoup plus cher que la monarchie anglaise et tous ses protocoles avec la reine, d'ailleurs. Oui, c'est assez étonnant. Oui, ça peut surprendre, mais c'est pourtant vrai. Il était évident que à un moment donné, il y a des tournants dans l'histoire, il y a des systèmes qui s'effondrent, il y a des changements qui doivent s'opérer, c'est l'évolution de la société, ça fait partie de l'inévitable. Par contre, massacrer des centaines de milliers de personnes pour un homme nouveau, ça c'est pas une évolution, ça c'est une régression. Et on sait ce que ça donnera, on sait ce que ça donnera avec le communisme, avec le nazisme, qui tous les deux s'inspirent, entre autres, de la Révolution française. Oui, alors tu peux raconter une anecdote à ce propos. Est-ce qu'on peut l'expliquer par rapport à Staline qui... Alors, ben, on a deux grands personnages, si on Oui. peut dire. Un certain petit moustachu autrichien, Peintre un à 16 peintre heures. raté, on va dire. Moi, je ne sais pas, je m'y connais rien en peinture, je ne pourrais pas te dire si c'était, si vraiment il faisait de la qualité ou pas, j'en sais rien. Ce petit autrichien moustachu, c'était inspiré de la police politique de Robespierre, pour créer sa propre police à Croix-Gamée, dont tout le monde a entendu parler. Et puis un autre, avec une moustache un peu plus fournie, un certain Staline, qui, lorsqu'il y a eu des révoltes contre-communistes en Ukraine, notamment, avait nommé ces révoltes de paysans des Vendées, avec le mot précis, Vendée. Donc Staline savait très bien de quoi il parlait. Donc il savait parfaitement, effectivement, il était au courant de ces faits-là. Donc voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas certain, et encore, on apprenait encore récemment avec les Khmers rouges, donc Oui, les Khmers rouges. qui s'inspiraient, qui admiraient Robespierre, etc. Je ne mets pas tout sur le dos de Robespierre, il n'était pas tout seul, hein. Il y avait Carnot, bon, il y en avait d'autres. Pour moi, c'est un sinistre personnage, mais pas tout seul. Il était dans un bain de sinistres personnages, il y en avait partout dans la Révolution française des sinistres personnages. Et quand on est pris en exemple par le nazisme ou le communisme, moi, je pense que on devrait mettre un petit peu la pédale douce avec les commémorations bruyantes, révolutionnaires, ou comme celle qui a pu y avoir le bicentenaire de 1989, ou même dans certaines écoles vendéennes, on a fait balader des gamins des écoles avec des têtes de baigneurs en plastique accrochées au bout d'une pique Ah ouais? dans des écoles vendéennes pour montrer le bicentenaire de la Révolution française. Moi, personnellement, ça me donne envie de dégueuler. Ouais, là j'avoue faute de goût quand même. Hein, de... Et c'est comme si vous faisiez, je sais pas moi, défiler des descendants de juifs avec des drapeaux à croix gammée et puis en leur faisant faire des saluts nazis, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment à peu près du même goût. Hein. Alors, c'est très bien que moi je me fais un peu l'avocat du diable de temps en temps, je me transforme, et donc QQF, comme on dit, question qui fâche, est-ce que
On a bien entendu hein, tout ce que tu nous as expliqué, mais est-ce que n'y avait-il pas un mal nécessaire pour arriver à l'unité nationale? Un mal nécessaire, comme je te disais tout à l'heure, l'unité nationale, les progrès sociaux, l'avancée vers une démocratie dont on peut quelquefois douter qu'elle en soit vraiment une, ça s'est fait dans d'autres pays, à bien moindre coût. Donc pourquoi ça n'aurait pas pu se faire en France sans cet aveuglement idéologique? Parce que la révolution, Clémenceau disait, c'est un bloc. On l'accepte ou on la refuse. Ben, si c'est un bloc, moi personnellement, je la refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses négatives par rapport au positif. Quand on est obligé de massacrer des centaines de milliers de personnes pour imposer une idéologie, ben, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut se poser la question de si cette idéologie, si elle est légitime, si elle est bonne. Il me semble, parce que l'unité nationale dont tu parles, c'est vrai que bon, sous le système de l'Ancien Régime, il y avait bon, on n'est pas à, on est très loin de la France d'aujourd'hui avec son système actuel, mais je pense qu'on pouvait y arriver à moindre coût. C'est-à-dire que oui, parce que pour se replonger un peu dans le XVIIIe siècle, il n'y a pas d'unité linguistique en France au XVIIIe siècle. On parle des langues différentes dans les régions. On Alors, parle des dialectes des différents, mais il y dialectes. avait que il y a, y a des y a le français qui réunit tout le monde, il y a le latin aussi, bien entendu. Et puis, ben, dans chaque village, si par exemple, dans un village d'Auvergne, bon, ben, les paysans parlent entre eux le dialecte auvergnat, si c'est en Vendée, on parle le poitevin, bon, il reste quand même. Le village, c'est une petite structure. Il reste quand même le prêtre, il reste quand même le notable, qui eux maîtrisent parfaitement le français. Et puis, qu'est-ce que ça, dans le contexte de l'époque, ça n'a absolument aucune incidence que on ne parle pas forcément le même dialecte. Mais encore, sur d'une province différente, les gens, ils arrivent toujours à se comprendre. Il y a des langues, bon, il y a des langues comme le breton, par exemple, ou le basque, qui sont vraiment des dialectes particuliers, mais il y a toujours des mots français qui apparaissent dans les patois, donc on sait très bien si une personne arrive et parle français dans le village, peut-être qu'on ne comprendra pas tous les mots, mais on arrivera à communiquer. C'est pas si terrible que ça. Mais pour en revenir, comme tu disais, l'unité nationale et puis la cohésion, la cohérence des territoires et puis les progrès sociaux, etc. Moi, j'estime que massacrer des milliers, des centaines de milliers de personnes, c'est pas un progrès social, c'est une régression. Parce que d'abord, ça apporte des haines qui vont prospérer pendant des décennies, des méfiances vis-à-vis des gens les uns envers les autres. Et puis, bon, bien sûr, on le disait tout à l'heure, la République a tout fait pour maîtriser l'information. Et puis, aujourd'hui, bon, ça s'effrite parce que bon, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Puis les archives, elles sont en ligne, elles sont consultables. Il n'y a pas besoin de gros diplômes pour les comprendre et pour les déchiffrer. Mais c'est le coût humain, c'est le coût économique d'une révolution qui nous a plombés économiquement pendant des décennies. Et puis le coût humain, c'est terrible. On n'en se remet pas. Combien de gens, combien de scientifiques, de poètes, d'artistes ont passé à la guillotine par simple soupçon de ne pas être du bon côté. Ou simplement même d'être républicains, mais peut-être qu'ils étaient pas, ils étaient peut-être girondins, ou ils étaient peut-être pas assez comme il fallait. Donc boum, allez hop, pas d'importance, on les massacre, on les guillotine. Quel désastre, quelle connerie, je serais tenté de dire. Alors, il faut qu'on arrête avec le mythe du beau drapeau tricolore plein d'honneur et de vertu, et puis de l'hymne national, la main sur le cœur. Bien sûr qu'il faut aimer notre pays, moi je suis le premier à l'aimer, mais faut arrêter la comédie, quoi. Rien que cet hymne national, il est ridicule. Ridicule et
je suis sûr, incompris par beaucoup de nations étrangères. Ben justement aussi, hein, voilà, pour continuer un peu sur ce terrain un peu de l'unité nationale, toi, à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il faudrait revenir à un système monarchique? Est-ce que c'est possible est-ce que c'est souhaitable? Alors, est-ce que moi j'aurais envie d'y revenir? Je pense qu'à un moment donné, c'est pas moi qui dois y penser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens doivent se poser la question avant de dire est-ce qu'on revient à un système monarchique qui serait, bon, selon moi, le mieux, certainement, une monarchie parlementaire, etc. Bon. Mais est-ce qu'on doit y revenir? Je pense qu'avant de se poser la question d'y revenir, il faut se poser la question de est-ce qu'on doit continuer avec ce qu'on a actuellement? Et moi, je ne crois pas. Je ne pense pas parce que aujourd'hui, on est arrivé dans une impasse. Les gens ne savent pas, ils savent pas quoi voter. On a des élites complètement corrompues, pourries, qui font tout et n'importe quoi, qui obéissent surtout à des systèmes financiers et puis à des lobbies, etc. Et ça n'a absolument rien à voir avec une démocratie. Quand on obéit à des banquiers, on n'obéit pas au peuple, donc c'est pas une démocratie, c'est une bancrocratie, si vous voulez. Donc, je pense que le système actuel, à un moment donné, de toute façon, il va tomber de lui-même. Après, est-ce que ce qui peut venir après ne sera pas pire? Je n'en sais rien. À un moment donné, ça va tomber. Moi, j'en suis à peu près convaincu. Ça mettra certainement du temps. Est-ce que ça bougera par un mouvement populaire? J'en sais rien. Est-ce que ça bougera par des massacres comme on a connu en 1793 ou 14? Je ne pense pas et surtout je ne le souhaite pas, même si je n'ai pas de sympathie particulière pour le système actuel. Moi personnellement, ça m'embêterait beaucoup qu'on massacre des gens pour des questions politiques, parce qu'il y a des gens de toutes les convictions politiques qui sont des gens bien et sérieux et puis qui sont nécessaires à la vie du pays. Mais voilà, je pense ça se passera, j'espère que ça sera avec le moins de coûts humains possible. Et après, sur quel système? Est-ce que ça sera une monarchie? Est-ce que c'est souhaitable? Je laisse la place, ce n'est pas à moi de dire ce qui se passera. On a déjà du mal à bien analyser le passé, comment faire pour savoir ce qui se passera dans l'avenir. On peut supputer des choses, on peut les subodorer, mais on ne peut pas dire, voilà, ça se passera comme ça, et puis on va faire un retour à la monarchie. Bon. De toute façon, s'il doit y avoir un retour à la monarchie, je pense que ça sera sous une autre forme, et puis ce sera avec. C'est parce que les gens l'auront voulu, parce Voilà, que les Français forcément, il y l'auront aura le réclamé. sentiment du peuple dedans. Voilà, ça sera les gens l'auront réclamé, et puis voilà. Après, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Comme je te dis, il y a un moment donné où ça bougera. Après, ça D'accord. débouchera sur quoi? On n'en sait rien. Et qu'est-ce que tu penses, toi aussi, de cette résurgence, on peut dire, d'une certaine forme de régionalisme, en particulier en Bretagne, en Alsace, on voit des régionalismes ressurgir. Alors, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais est-ce que c'est pas un peu... Parce qu'en fait, ces régionalismes-là, aujourd'hui, mettent un peu en danger, justement, cette fameuse cohésion nationale. Voilà. Ça correspond à un refus de la société actuelle. Voilà, c'est tout. Parce que bon, le régionalisme, c'est vrai, bon, comme par exemple la Bretagne, je ne parle pas que de la Bretagne, mais bon, Voilà, c'est mais un c'est très exemple parce que puissant, bien sûr, c'est très, très j'ai ayant emblématique. pas mal d'amis bretons, c'est pour ça que je parle d'eux, parce que je connais leur discours. C'est vrai que bon, la culture bretonne a été bon, bafouée, etc. On n'a pas le droit de parler breton pendant à une époque, on n'a pas le droit de donner des pronoms bretons aux enfants. Bon, tout ça, effectivement, ça peut créer des rancœurs et tout, mais tu sais, quand on est dans un système qui marche bien, on n'a pas forcément envie de le quitter. Mais quand on est dans un système qui commence à partir dans le fossé, comme c'est le cas actuellement, et puis qui se moque un petit peu du monde, où on ne voit les Français que bons à payer, et puis à leur coller des radars sur les routes ou des portiques écotaxes et tout, c'est tout ce que les Français sont bons à faire désormais, eh bien voilà, au bout d'un moment, il y a un repli qui se passe. Alors, dans certains coins de France, ça va être un repli identitaire communautariste, avec des gens issus de l'immigration ou quoi que ce soit. Et puis dans d'autres régions, ça va être un repli identitaire sur un régionalisme lui-même, sur la Bretagne, sur la Corse, sur la Savoie indépendante, sur le Pays basque, etc. Et puis l'Alsace.
Et pourquoi? Eh bien parce que le système, il ne fonctionne pas. Parce que les Bretons, il y a certains de mes amis bretons qui vont peut-être bondir, mais si les Bretons, ils n'avaient pas été contents d'être sous tutelle française depuis la duchesse de Bretagne, il y a un sacré moment qui se serait insurgé, comme ils ont fait d'ailleurs pendant la guerre des Chouans, qui se seront insurgés et qu'ils auraient ce serait de nouveau insurgé contre le système. S'ils ne se sont pas insurgés, c'est que le système était globalement satisfaisant pour eux. Aujourd'hui, s'il y a des replis, bon, on n'en est pas dans des insurrections, bien entendu, mais s'il y a des replis, c'est des replis communautaires, c'est des replis identitaires, parce que les gens sont à saturation, ils en ont marre, d'une politique qui semble ne venir de nulle part, on a même plus l'impression qu'elle vient de Paris, on sent qu'elle vient de Bruxelles ou de Berlin, on ne sait pas très bien où, ou peut-être de Washington. Et puis on décide ce qui est bon pour les gens, et puis voilà, on les taxe, on les plume, et puis voilà, le mec il va bosser pour une poignée de cerises, paf, ça y est, il se prend une prune, 90 euros, deux points en moins. Bon. Au bout d'un moment, tout ça, c'est. On voit bien que c'est plus. On n'est plus dans un système de justice, on n'est plus dans un système de logique, de légitimité gouvernementale. On est dans un système qui se cherche, qui est perdu. Qui ne sait plus quoi faire, il n'y a plus d'argent dans les caisses, alors on invente une nouvelle taxe, on invente chaque semaine une nouvelle ânerie, une loi débile, enfin bon. Et puis ben, les gens en ont marre, et puis alors ça va se traduire par des votes extrémistes, mais bon, des votes extrémistes qui vont pas forcément déboucher sur quelque chose de concret. Alors, c'est un vote, tout d'un coup c'est l'abstention, c'est. Voilà, bon, après, commenter les événements actuels, bon, personnellement, c'est pas mon truc. Moi, je me passionne pour l'histoire. Après, le futur, advienne que pourra. Et puis, le présent, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour commenter l'actualité. Moi, personnellement, je m'y retrouve pas. Dans le monde actuel, j'ai une sorte de. J'ai plus envie. La télé, je la regarde depuis des années. J'ai plus envie d'ouvrir un poste de radio. Je regarde des informations sur le net. C'est des catastrophes. Il n'y a rien qui donne espoir en rien. Et puis voilà, c'est. J'ai même plus envie de m'étendre, de dire ce que je pense. Quoi. De toute façon, on a l'impression que quand on dit ce qu'on pense dans ce pays, de toute façon, ça ne sert à rien. Personne ne vous écoute. Donc, Si, il y a des gens qui vont regarder la vidéo. quand même. Donc toi tu peux tu peux donner l'adresse de ton blog parce que je sais que tu as un blog, ta compagne aussi vous fait donc. Bon, mais ça, je vais vous le donner purement accessoirement parce que c'est pas. Bah, profitons-en quand même. C'est pas. Parce qu'il y a de l'information dessus. Tu mettais en ligne des archives, etc. Donc sur les blogs de ma femme et puis le mien, on ne commente pas l'actualité, on se garde bien de dire on va faire ceci ou on va faire cela. C'est pas du tout notre truc, on ne veut pas, de toute façon, pas question de se faire cataloguer d'une manière ou d'une autre politiquement, c'est pas du tout le but. On est comme tous les Français, on a des opinions, je pense que tout le monde en a, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Par contre, sur nos blogs, il s'agit purement d'informations pour ceux que ça intéresse, notamment sur le blog de ma femme, excusez-moi, qui s'appelle La Maréchine Normande. On cherche La Maréchine Normande sur Google, on le trouve très facilement. Elle fait des recherches sur les archives, sur des documents originaux, des vieux écrits, de revues du Bas-Poitou, etc. Elle ne commente rien, elle vous sort les archives, elle les restitue avec les sources sur son blog, et voilà, après... Ce sont des faits, ce sont des histoires qui, alors, bien souvent parlent de l'époque révolutionnaire, mais peuvent passer aussi sous la période napoléonienne, ou tout simplement des petites anecdotes de culture régionale concernant la Bretagne, concernant la Normandie, concernant la Vendée, mais aussi concernant quelquefois d'autres régions de France, quelquefois c'est l'Auvergne, c'est comme ça la prend. Hein. Et puis, elle restitue, et puis, bon, chacun peut y puiser un petit peu. Les sources de documentation, c'est surtout un blog qui est là pour donner envie de fouiller les archives. Okay. Et puis quand au mien, il s'appelle Chemin Secret,
assez facile à trouver aussi sur le net, c'est chemin secret avec la blog.com. Alors c'est un blog purement personnel. Au départ, il s'agissait de raconter des balades, des promenades faites à titre privé sur des hauts lieux, des gares de Vendée, mais aussi des lieux méconnus. Et de plus en plus des lieux méconnus, parce que maintenant j'essaye avec ma femme d'ailleurs, autant qu'on peut, qu'on a le temps d'aller se balader, on essaye d'aller se balader dans des vieux chemins, près de vieilles croix ou quelque chose. Il y a des anecdotes quelquefois à raconter sur un massacre, sur un prêtre qui était caché, sur même quelquefois des républicains qui ont été tués. Fois, hein, bon, qui sont enterrés là, de tel bord ou de tel autre bord, parce que j'estime que ces histoires, des fois, quelquefois, on a un touriste qui passe, quelquefois, là, qui fait de la randonnée, il ne sait pas trop sur quoi il marche, et puis des gens du cru aussi, quelquefois, qui habitent là, qui n'avaient jamais entendu parler de ça, et puis qui, tiens, dis donc, la vieille croix au bout du chemin, là, je ne savais pas pourquoi elle existait, ben, maintenant tu sais, voilà, bon, et ça, c'est, après, ça intéresse ou pas, bon, on a quelques commentaires. Moi, j'essaye de faire des textes courts parce que, bon, j'essaye de donner envie aux gens de s'intéresser. Puisque, bon, évidemment, si on fait un texte long avec des renvois, des notes, etc., et puis que ça devient trop technique, les gens, ils se lassent assez rapidement et puis ils se disent, oh là là, c'est un truc d'un télo, ça va pas nous intéresser. Et si on veut faire intéresser les gens à l'histoire, il faut surtout pas que ça soit trop rébarbatif. Alors en conclusion, justement, je vais te demander, on est dans une période en France où on va dire qu'il y a une espèce de grand réveil, en tout cas une espèce de renaissance, et en particulièrement justement sur l'histoire de France, et avec, on le voit, donc un débunkage quand même de certains mythes. Et où est-ce que tu penses qu'il peut aboutir justement je ne sais pas comment on pourrait appeler, effritement, en tout cas, le mythe de la Révolution française est en train un peu de vaciller, je trouve. Et c'est quand même un mythe fondateur pour la France, enfin un mythe très très important. Il y a le mythe, je ne pense pas qu'il vacille, c'est clair, il a déjà commencé à vaciller depuis un petit moment. Je ne pense pas qu'il s'effondre totalement, parce qu'il y aura toujours des gens qui admireront le système, puis il y aura aussi toujours des extrémistes qui vont vous dire que... Très bien, tout est bien. Voilà, tout était très bien, et puis il y a toujours encore des admirateurs du communisme, et même du nazisme, hein, on en trouve encore. Hein, voilà, bon, ça, des cinglés, il y en aura toujours, malheureusement. Mais au-delà du mythe, c'est tout un clivage qui s'effondre, parce qu'on avait jusqu'ici un clivage gauche-droite. Bon, la gauche a perdu, on vote à droite. La droite perd à son tour, on vote à gauche. Alors ça, c'est complètement en train de voler en éclats. Comme je te le disais tout à l'heure, en fin de repas, là, où on discutait à titre privé, on se retrouve avec aujourd'hui des paradoxes. Une classe ouvrière qui vote extrême droite. Une extrême gauche qui devient antisémite. On est vraiment dans des trucs qui deviennent... Extrême droite sioniste. Oui, enfin bon, extrême droite, bon, je ne sais pas si elle est sioniste, mais enfin qui défend Israël. Bon, moi je ne me permets pas de choisir un camp ou un autre. Moi, les gens qui se tapent sur la figure, j'aime pas ça, d'une manière générale. Mais tout ça, ça vole en éclats, parce que ça ne correspond plus aux attentes des gens. Les gens, ils en ont marre. Ça fait des décennies que ça dure. On vote à gauche, on vote à droite, c'est jamais mieux. En fait, les deux font la même politique. Et puis, on promet des choses qui ne se passent pas. Et puis, c'est toujours le même problème. Les Français, qu'est-ce qu'ils voient le Français de base? Ils disent, voilà, ils disent, bon, j'ai voté à gauche, je me fais plumer. J'ai voté à droite, je me fais plumer. Bon, on trouve aussi des gens, des personnalités qui viennent de la gauche, qui tout d'un coup basculent à l'extrême droite. On trouve des gens qui étaient plutôt modérément de droite et puis qui vont, pour des questions, après bon, il y a des questions personnelles aussi, qui vont basculer plus ou moins à gauche. Tout ça, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien. On trouve même des religions ennemies, quelquefois communiquées s'assembler. Moi, j'ai vu sur des blogs, un blog musulman il y a quelque temps, des appels carrément, des choses qui m'ont fait un petit peu surpris, des musulmans et des chrétiens qui étaient en train de discuter ensemble pour s'associer contre des juifs ou même, qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais tout vole en éclats, tout bascule,
il n'y a plus de... Les vieux clivages, les vieux clichés, ils sont... ils volent en éclats. Après, par contre, comment ça va se structurer? Parce que comment les nouveaux camps vont se... Quand je te parlais tout à l'heure de chrétiens et de musulmans, alors moi, je trouve ce qui me sidère, qui s'allient contre le sionisme ou contre le système en place aussi. Hein, par exemple, lors des événements là, de la Manif pour tous, et j'ai vu des musulmans farouchement, même s'ils n'étaient pas très nombreux, qui soutenaient farouchement des catholiques traditionnalistes. Tout à fait, bien sûr. Ah oui. Mais alors fait. Ça, c'est assez surprenant. Et je crois que nos hommes politiques n'étaient pas du tout préparés à voir ce genre de choses se passer, quoi. Parce que là, c'est tout un paradigme qui est en train d'éclater. Finalement. Ah oui, ça vole de partout. Ça vole de partout. Et puis moi, je connais des gens qui sont issus de l'immigration, qui me parlent aujourd'hui, qui veulent voter Le Pen. Et alors, chose qui, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est complètement... le gars qui était issu de l'immigration, il aurait parlé de Le Pen, il aurait en saloperie. Enfin bon. Et aujourd'hui, non. Ça a complètement bougé. Et là, on ne sait pas très bien comment ça va. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça se restructure. Ou alors la société va partir en communautarisme. Et puis là, tout vole en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de cohésion sociale. On fait plus que le commerce avec les gens de sa propre communauté ou voilà, ça n'a plus de sens. En tout cas, la gauche et la droite, c'est fini, c'est mort, ça c'est clair. Ça a été inventé par la Révolution. Maintenant, c'est fini. Il y a déjà un petit moment que c'est fini, mais il faut que nos politiques en prennent conscience. Et ça, à mon avis, ils ont du mal à s'y faire. Mais je pense que le peuple français aura le dernier mot. D'accord, bah c'est le cas. Bah, merci beaucoup Richard et merci d'avoir été présent sur le Métatour, étape en Vendée, voilà, La Roche-sur-Yon. Et voilà, pour tous les métanautes, merci. La Roche-sur-Yon, la Vendée, terre historiquement riche, vous voyez, et on va encore nous accuser d'être venu avec des révisionnistes, parce qu'on a révisé l'histoire de la Vendée quand même. Ah, les révisionnistes. En tout cas, ça nous donne quoi de la rue. Merci beaucoup Patrick, parce que ça a été un plaisir, et notre conversation du début de l'après-midi, avant qu'on soit à l'antenne, a été formidable. On a affaire à quelqu'un d'intelligent, de pointu, qui est habitué à aborder un petit peu tous les sujets, tous les thèmes, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et ça me fait plaisir d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme toi. Après, bon, je ne sais pas si ma prestation était très bonne, parce que je n'avais rien préparé, c'est de l'improvisation totale, etc. Ouais. Donc j'ai peut-être raconté des bêtises, je n'en sais rien, on verra ça quand on repassera la bande. En tout cas, merci, et merci à ceux qui visionneront la vidéo. Et voilà, bonne fin de journée à tous. Allez, merci, c'était le Métatour en direct de Vendée. Salut à tous, ciao, à vous la régie. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. Un jument de Michaud va passer dans le pré. Un jument de Michaud et son petit poulain va passer dans le pré et manger tout le foin. Du mois de Michaud et son petit poulain à passer dans le pré et manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira.